Les agents ont trouvé un fusil de style AK-47, deux sacs à dos et une caméra GoPro près de l'endroit où le suspect a été repéré sur le périmètre du Trump International Golf Course à West Palm Beach. Le FBI déclare qu'une apparente tentative d'assassinat sur Donald Trump a été déjouée, avec un homme arrêté et un fusil d'assaut récupéré. Monsieur Trump jouait une partie au Trump International Golf Course à West Palm Beach en Floride lorsque des coups de feu ont été entendus. Le shérif du comté de Palm Beach, Rick Bradshaw, a déclaré aux journalistes qu'un agent du Secret Service, qui patrouillait sur le parcours avant M. Trump, avait repéré un canon de fusil sortant d'une clôture périmétrique. Il a immédiatement engagé cet individu. À quel moment l'individu s'est enfui, a-t-il dit. On ne sait pas, on ne sait pas encore si le suspect a tiré en premier, a tiré un coup, ou si seul le Secret Service a tiré. Ryan Wesley Root, 58 ans, a été arrêté après que son véhicule a été arrêté par la police locale, a rapporté le réseau partenaire de Sky News aux États-Unis, NBC News, citant trois hauts responsables des forces de l'ordre. Les agents ont ensuite fouillé la zone où l'homme, supposé être Root, a été repéré et ont trouvé un fusil de style AK-47 avec une lunette, deux sacs à dos et une GoPro. Dave Aronberg, procureur de l'État du comté de Palm Beach, a déclaré à MSNBC que Root était caché en attendant M. Trump. Il a dit que Root visait des agents du Secret Service et que l'un d'eux lui a tiré dessus. Plus tôt, le shérif du comté de Martin, William Snyder, a décrit comment ses agents ont suivi le SUV noir du suspect pendant un certain temps avant de faire un arrêt criminel. Il a dit « Nos unités routières ont repéré le véhicule et nous avons attendu un moment. Nous ne l'avons pas arrêté tout de suite. Nous ne voulions pas d'une course-poursuite à grande vitesse. Nous avons donc pu attendre jusqu'à ce que nous ayons des unités adéquates, entourer le véhicule et forcer son arrêt. » Il a ajouté qu'ils avaient réussi à prendre le suspect en custodie pacifiquement.